La Bible, c'est pas des formes de ma grand-mère. Ça m'inspire pour voir un peu plus clair. Je veux passer de la tête au cœur pour goûter au vrai bonheur. Y a-t-il quelqu'un Nous sommes les élèves de Paul Desmarais et nous allons vous présenter notre projet FLICFO 2020. Notre projet initial était d'organiser une journée avec thème du chemin de la croix avec les élèves des 6e année de nos écoles nourricières. Et puis, la grève est arrivée et cette idée de projet est plantée. Nous avons ensuite pensé à adapter notre projet à un jeu de société qui pourrait être offert aux enseignants de nos écoles nourricières comme ressources à utiliser dans leur salle de classe. Malheureusement, le confinement a débuté, les écoles ont fermé et il est devenu très difficile d'exécuter notre projet. Notre réflexion a débuté autour du chemin de la croix. Mais la COVID nous a ouvert les yeux à certaines croix actuelles présentes dans notre monde aujourd'hui. La croix était portée par nos enseignants et membres du personnel. Nous l'avons découvert suite à un courriel. Le voici. Je suis un peu inquiète pour certains enseignants ou membres du personnel. Ils se sentent pas nécessairement qu'ils font une différence en ce temps de pandémie dans la vie scolaire de leurs élèves, avec tout le reste qui peut se passer dans leur vie familiale. Je me demandais comment on pourrait s'y prendre pour recueillir des témoignages de différents élèves qui disent merci à leurs enseignants ou éducateurs ou animatrices, simplement d'être là. Auriez-vous des idées à me suggérer? Pourriez-vous me donner un coup de pouce? Voilà que dans ce courriel, nous recevons un appel de nous approcher d'une source souffrante et d'essayer d'y remédier. Et nous avons décidé de prendre action. Comment font-nous répondre? Avec l'aide de notre comité de leadership chrétien à l'école, nous avons pu atteindre nos objectifs. Ces objectifs étaient de rejoindre personnellement chaque membre du personnel de notre école pour les remercier de leur travail. Nous avons recruté l'aide des élèves impliqués de notre école pour créer et envoyer des cartes personnalisées et faites à la main. Et voici quelques exemples. Puis je me comprends plus. J'ai besoin d'aimer et d'être aimé. Au fond, c'est pas si compliqué. Y a-t-il quelqu'un qui veut m'aider? Des cartes, nous avons aussi créé une petite vidéo qui englobe tous les remerciements de notre école. Au lieu de vous l'expliquer en détail, nous vous la présentons. Chers enseignants, nous espérons qu'en regardant cette petite vidéo, vous vous sentirez apprécié pour tout ce que vous faites. Tout le monde se retrouve dans cette situation particulière et nous espérons que ce petit clip mettre un sourire à vos visages. Il est certain que nous n'oublierons jamais ce semestre, mais ce dont nous nous rappellerons le plus sera tout le travail et dévouement que vous avez mis à vous adapter si rapidement et de manière efficace.
nous avons demandé à quelques élèves de nous dire en un mot pourquoi ils aimeraient vous dire merci. Ils nous ont envoyé cela sous forme de petites vidéoclips. Nous avons compilé le tout pour vous. Le voici. La communauté étudiante de Prof des Marais espère que cette courte vidéo vous a amené du bonheur dans ce temps plutôt difficile et sombre. Nous apprécions tout le travail que vous faites afin de nous donner la meilleure éducation que possible, malgré les défis posés par la pandémie actuelle. De tous les élèves, nous vous disons merci du fond du cœur. Prenons maintenant un petit moment en prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, en ce temps de confinement, nous te remercions pour le travail impeccable du personnel de notre école Paul Desmarais. Renverser leur plan de cours et de devoirs s'adapter n'est pas facile. Il faut prendre cela en considération. Inspire le personnel à demeurer optimiste et penser aux possibilités positives du futur. Donne-leur la confiance de croire que leur travail est important et qu'il est apprécié par tous. Éloigne d'une tous les doutes qui gardent encore en paix. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre projet est énormément transformé depuis le début, mais à la base, il demeure le même. Partager l'amour de Dieu à travers nos gestes à ceux qui en ont besoin. Nous découvrons que l'important n'est pas de créer des grands projets, mais d'être attentif aux besoins autour de nous. Et d'avoir la disponibilité, créativité et flexibilité d'essayer d'y répondre. Parfois, une petite action a plus d'impact qu'un énorme projet. Voici un exemple d'un remerciement que nous avons reçu. J'ai été particulièrement touchée par un simple geste d'amour. Aujourd'hui, j'ai reçu la plus belle carte de remerciement de ma vie. Ce qui m'a le plus émerveillée, c'est qu'elle a été faite à la main et le message a été écrit en lettres cursives. Je la considère une rareté compte tenu de notre mode de fonctionnement actuel. J'ai su ce soir qu'elle a été envoyée par le groupe de leadership chrétien. Elle m'a fait pleurer, elle m'a fait réfléchir. Je suis émue, je suis sans parole. Je la chérirai à jamais. C'est maintenant à mon tour. Merci de tout cœur à l'élève qui a pris de son temps afin de créer cette précieuse beauté juste pour moi. Oui, notre projet initial n'a pas fonctionné. Et oui, nous avons rencontré beaucoup de problèmes. Mais en fin de chemin, c'est cela qui nous a fait de bons leaders.